Et la vidéo là. Il y a une vidéo là. Il y a une vidéo là qui se crie sur la toile. Il y a une vidéo là qui se crie sur la toile. Que. Voilà, c'est ça. Je suis toujours au casier 48. Voilà, pour ceux qui veulent bien me trouver, je suis au casier 48. Voilà, c'est à la morgue. Voilà, je suis toujours là-bas. Que je suis au courant de ce qui se passe sur les réseaux. Voilà, je suis au courant de ce qui se passe sur les réseaux. Voilà, je suis toujours au casier 48. Voilà, pour ceux qui veulent bien me trouver. Je suis au casier 48. Voilà, c'est à la morgue. Voilà. C'est toujours là-bas. Je parle. Bonsoir. Pour te maintenir en santé, saluer tout ce qui ne peut pas te mettre en colère, tout ce qui ne peut pas te stresser, tout ce qui ne peut pas te mettre de mauvaise humeur, c'est ce qu'il faut faire. La deuxième des choses, c'est ta famille. Tout ce qui peut te rapprocher de ta famille, crée pour toi. Ok. Dans toutes ces vidéos-là, ça veut dire quoi? Toutes ces vidéos-là, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas finalement. Il est mort ou bien il n'est pas mort? Et la troisième des choses, tu as laissé deux semaines, les gens sont en train de spéculer sur Internet. Tu es assise, tu n'as rien dit. Il y a d'autres qui sont en train de dire il est mort. Il y a d'autres qui sont en train de dire il n'est pas mort. Et moi, je sais que si elle vit réellement aux États-Unis, c'est que le jour où on a retrouvé le corps de Bob Lee, le même jour, on l'a appelé. Hey! Oh, il est malheureux. Pour expliquer aussi, vous. Le blanc, là, je mangé ma gagne. Je descends pas, hein. Non, c'est bon. Le gris de ça. Le gris de ça. Le diamant de ça. Ok, d'accord, je vais continuer. Oui, on vous écoute, monsieur Mohamed. Ok, je dis ce qu'elle a fait. Moi, je trouve que c'est une erreur. Il ne faut pas refaire ce genre de choses. Si ton mari est décédé. Est-ce que c'est son mari? Pourquoi les gens, pourquoi vous êtes bêtes? Vous montez seulement sur la toile chaque fois pour raconter les conneries. Vraiment, j'ai souvent mal, j'entends certains singes qui parlent sur la toile. Vous êtes trop bêtes. Vous sortez les phrases comme ça sans réfléchir. C'est son mari. Ferme ta sale gueule. Ton mari. Shut up. Shut the fuck up. What the heck? Parce que tu ne peux pas me dire que tu ne vois pas l'Internet. Oh, j'arrête. J'arrête. Oh, vraiment. Je ne sais pas, les blancs, c'est aussi nous mettre dans le problème. En créant tout ces trucs. C'est là où tu découvres que vraiment, ça ne vaut pas la paix. Ça ne vaut pas la paix. L'Afrique ne pourra jamais. Non, il faut qu'elle charge d'abord le chômé. Il faut qu'elle charge le chômé. Hein? Ah. C'est là où tu vois que. L'Afrique même ne peut jamais. Ça serait dur. Hein. On ne le souhaite pas, mais ça serait vraiment dur. Il faut encore beaucoup de travail. Il faut encore beaucoup de travail. Nous sommes dans ce monde. Il faut encore vraiment beaucoup de travail pour atteindre nos objectifs. Il faudra encore work. Il faut encore beaucoup de work. Tu vois, non? Il faut encore beaucoup de work. We have to do a lot. Vraiment, les Africains sont encore très loin derrière. Les Africains, la mentalité africaine est encore très, 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 très bas. Pas tous, mais la plupart, la majorité.
J'ai vu même si la vidéo c'est il y a encore la vidéo, il y a une autre vidéo d'où il y a une gala, elle est partie wait quelque part. Que Bob Lee va sortir bientôt et tout ça là. Après, Bob Lee est sorti à Paris derrière lui. Et elle était fière, elle était contente, elle sortait de joie et toutes ces choses. Alors que la vidéo là, c'est une ancienne vidéo. Hein. C'est une ancienne vidéo. Mais on voit les tintins sur les commentaires. Ah non! Non, Bob Lee c'est le king de West maintenant. Non, lui vraiment. Bob Lee a mis les gens au travail. Bob Lee vraiment, tu as même le footballeur là, Hakimi, ou bien c'est Hakimi. Non, vraiment, même son boss, même tu as tué. Non, vraiment, tu es le champion. Non, c'est là. Les moutons. C'est ça qui tue les Africains, parce que les Africains n'aiment pas faire les recherches. Les Africains ne font pas de recherches. Il faut faire les recherches sur certaines choses. Il faut bien analyser. Arrêter d'analyser des choses comme des moutons. Ces gars que nous tous nous connaissons là. Lui va faire quel genre de buzz qu'il va se cacher même pour une semaine. Qu'il va se cacher pour une semaine et laisser le buzz continuer à partir pour avant qu'il va sortir. Ces gars qui aimaient se faire voir là. Qui aimait vociférer, trembler comme ça sur les lives. Il va faire quel genre de buzz qui sera tranquille. Sauf si on l'attachait quelque part. Sauf si on a dit que mon frère, dans la chambre, sinon on va t'enchaîner comme ça. Tu ne vas pas sortir jusqu'à ton buzz là se réalise. Jusqu'à ton buzz là fini. Sauf si on l'attachait quelque part. Mais tous les vidéos que vous voyez là, oh, la vidéo qu'il vient de montrer, tout ce que les gens là, ce sont les anciennes vidéos. Ce sont les anciennes vidéos. Ce ne sont pas les vidéos récentes. Those are old videos. So get out of your stupidity. Get out of your stupidity. Vous êtes trop bêtes, les Africains. Les Africains sont... C'est une race terrible. C'est une race terrible. Non seulement les Africains sont bêtes, mais les Africains sont des sorciers. Oh, Lord Jesus Christ. Vraiment. Non. Dieu a reçu. Dieu a vraiment créé une race. Après, lui-même, il s'est senti. Après, Dieu-même, lui-même, il a vu que c'était une erreur. Il fallait créer les autres races pour venir sauver ces mondes. Il fallait créer les autres races. Parce que Dieu est content quand il voit, quand il reste comme ça, il voit. Parce que Dieu est partout. Mais quand son esprit voit comment ce qu'il a créé, sont en train de réjouir, de enjoy la vie. Dieu lui-même, il regarde ça comme ça, il est content. Mais quand il regarde ce qui se passe en Afrique là, Dieu dit vraiment, avec tout ce que j'ai donné aux gens, c'est l'intelligence, tout ce dont ils ont besoin, pourquoi ils décident de souffrir, et de matin, midi, soir, et courir derrière moi. Il les a déjà tout donné. Tout ce qu'ils ont à faire. Avant de se coucher là, Dieu merci. Pour la journée ici. Merci. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Mais ils décident de souffrir et courir derrière moi. Ils décident de devenir bêtes. Alors qu'ils ne sont pas bêtes. Alors qu'ils ne sont. Dieu même, il reste chaque fois, il regarde comme ça, il bouge seulement sa tête. Il bouge sa tête. Ouais. C'est le négro. Nous, avec nos gros nez là, cheveux crépus partout. Le cœur est blanc, mais le cœur, ouais, c'est rouge, c'est blanc, ouais. Mais en même temps, c'est très noir. Pourquoi? La vie est simple. Tu ne tueras nulle part. Et tout ce qui est sur cette terre. Pourquoi ne pas être gentil? Pourquoi ne pas être bien avec les autres? Pourquoi ne pas être normal? On se bat parfois, pourquoi? On sème la haine, la sorcellerie. On veut détruire les autres vies, pourquoi parfois? Pour quelle raison?